Bien, vous êtes là? Oui, apparemment. Donc, est-ce que tout le monde est revenu? Ah là 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 là. Est-ce que tout le monde est revenu? Ah, voilà, ça revient, ça revient. Je suis désolée, je vous l'ai dit. Je sais pas, aujourd'hui ça coupe. Pourtant, l'après-midi, d'habitude, on est tranquille. Et là, je ne sais pas pourquoi. Ça y est, ça revient, ça revient. Alors, voilà, ça y est, ça sera. Ça revient. Super, super, ça se reconnecte, ça se reconnecte. Alors, n'hésitez pas, comme ça coupe. Donc, c'est la connexion Internet qui apparemment n'est pas bonne aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, quand ça coupe, restez. Si chez vous, ça coupe pas, je relance aussitôt. Hein, il n'y a pas de souci. C'est un peu dommage, j'espère que ça ne va pas faire trop de coupures. Mais voilà, ne quittez pas surtout. Je relance à chaque fois la vidéo et on repart. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, on soit un peu embêté. Alors, on attaque. Soit avec, si vous avez un élastique, soit un foulard, soit votre serviette. Voilà, j'ai la serviette. OK? Allez, on va y aller. Le bras, la serviette ou l'élastique dans le bras, bras droit, allez, c'est parti. Puis, on balance simplement de bon côté. Encore. Hauteur
poitrine. Devant. Allez, on reprend main droite. Balance devant, derrière. Deux, quatre fois. Trois, quatre. Tourne devant, arrière. L'autre sens. Et change, balance. Continue, continue. Tu mets déjà le stretching, vous vous rendez compte? L'autre sens. Et reprends les deux extrémités. Une fois devant poitrine, une fois en haut. Devant, en haut. Devant, en haut. Encore. Reprends main droite, balance devant côté. Autour. L'autre sens. L'autre bras, on balance. Votre serviette ou votre élastique pour mesurer maintenant où est-ce qu'on arrive. Alors, on avait dit le bras en haut et j'attrape, je vais le plus haut que je peux. Allez, je vais chercher, tout le monde voit, voilà. Ah oui, hein, moi, je ne suis pas si souple que ça, faut pas croire, hein. Et on lâche celui du haut et on mesure. Oui. L'autre côté. Allez. Je vais chercher plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Une fois que j'y suis,
Je lâche celle du haut. Et voilà. Oh, j'ai gagné ça, hein, sur un bras. Bien. Donc, vous voyez ça, c'est pas dit qu'aujourd'hui, ça va être très représentatif, mais si vous faites ces séquences plusieurs fois, au bout de quelques séances, quelques semaines, vous verrez l'évolution. Voilà. Donc ça, c'était pour les épaules. OK. Donc là, maintenant, on va faire... Oui. On voulait faire... Je voulais faire les cuisses. Donc, on a commencé un petit peu à échauffer les cuisses. On va quand même continuer des exercices et seulement après, on fera le test quand même. Donc là, vous allez prendre le bâton. OK. Le bâton et on attaque cuisse et un peu bras en même temps. Je vous ai dit aujourd'hui, c'était total body, vous vous souvenez? Donc, total body, ça veut dire le corps complet. Allez. On reprend un peu comme tout à l'heure avec la serviette. Monte ici et on descend en squat. Monte. Descend en squat. Attention, quand je descends en squat, voilà. Genou droit. Bien le genou en angle droit. Prenez l'habitude de serrer le ventre quand vous remontez. Allez, ceux qui veulent, on peut aller plus vite. Les deux en même temps. Reprends que les bras. Et 1, 2, 3, 4, les cuisses. Et 1, 2, 3, 2 de chaque. Et 1, 2, les squats. Descends. Souffle en remontant. 1 de chaque. Devant. Descends. Remonte encore. Devant. Descends les deux en même temps. Et 1. Allez. On reprend les bras. 4. Et 4. 3. 2. Les cuisses. 2 de chaque. Et 1. Cuisses. 1 de chaque. Et bras. Cuisses. Les deux en même temps. Et 1. Super. Relâche un petit peu. Allez. Deuxième série. On est ici. On apprend les bâtons un peu plus larges. On va tirer vers l'arrière. Hauteur poitrine, coude bien relevé vers l'arrière. Ou les dorsaux. Là, tire. Encore. Pas trop, laissez vos épaules basses. Ça. 6. 7. 8. On monte les genoux. Monte. Monte. Attention, quand on monte les genoux, on ne se baisse pas. Hein? Trop droit. Alors, ajoute les obliques. Attends, on a le temps. Hein? Et vu que j'ai pas mis un rythme trop rapide, mais on peut faire quand même. On dédouble. Choisissez le rythme qui vous convient. Allez, j'emmène le bâton bien loin sur les côtés. On reprend le premier les bras. Et 1, 2, 3, vers la droite. Et 1, 2, 3, 4 à gauche. Et 1,
2, 3, 4, on reprend celui-là, 4 fois. 2, 3, inserte droite, gauche. Fais 1, 2, 3, 2, 1, à droite. 1, 2, devant. À gauche. Toujours 2 de chaque. Devant. Devant. Côté Ariane chat. Ici. Droite. Ici. Gauche encore. Reprends que les bras. Oui. Jambe droite. Allez, je rentre le ventre quand je lève le genou. Reprends les bras. Mets bien les coudes vers l'arrière. Sept. À gauche. Allez, encore. Reprends celui-ci. Et alterne genou. Encore. Allez, dernière, celui-là. 4 fois. 3, 4 à droite. Et 1, 2, 3, devant. 1, 2, 3, l'autre côté. Et 1, 2, 3, 2, et 1, 2, 1, 2, 1, de l'autre côté. Un de chaque, devant, côté, devant, côté, devant, côté, devant, côté. Super! Bravo! Alors, on est prêt pour notre test de cuisses. Bien évidemment, on va encore faire des cuisses après. Hein. Alors, on va. C'est le test de la chaise. Donc, le test de la chaise. Il faut vous donner un petit peu ce qu'il faut. On va se mettre dos au mur. Alors, ici. Peut-être là, voilà. Donc, j'avance les pieds le plus possible. Ah, attention de ne pas tomber, bien évidemment. On écarte les pieds largeur bassin et on va se mettre en position de chaise. C'est-à-dire que mes genoux doivent être vraiment bien à l'aplomb, en angle droit. Vraiment, les genoux ne doivent pas dépasser la pointe de pied. Je suis appuyée au mur. Si je ne me sens pas à l'aise, je me tiens au mur. Si vraiment je ne me sens pas à l'aise, je prends une chaise devant moi. Je vous laisse le temps de vous installer. L'objectif, je vais déclencher le chrono. Dès que vous ne pouvez plus tenir, ne forcez pas, vous remontez. Retenez le moment où je vous ai dit les secondes. Bon, peut-être qu'à une ou deux secondes près, vous n'aurez pas le résultat vous tout de suite, et ça vous donne une fourchette. C'est-à-dire que si j'ai du mal à tenir, si je tiens en dessous de 30 secondes, c'est que j'ai vraiment, vraiment besoin d'améliorer la capacité de mon renforcement musculaire au niveau des cuisses. Et c'est très important, puisque c'est les cuisses qui vont vous aider à tenir debout correctement, marcher, continuer à être indépendant, et en tous les cas, éviter les chutes. Donc, surtout qu'on est confiné, on marche moins longtemps puisqu'on avait une distance de kilomètres à respecter. Donc, c'est important de continuer à garder une force physique au niveau des quadriceps. Donc là, on va donner le départ. Je calcule, je vous donne à chaque fois les secondes et puis vous verrez bien. Par contre, on ne tient pas au-delà de 3 minutes, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ceux qui tiennent largement, parfait, continuez de vous entretenir régulièrement et il n'y a pas de souci. Bien. Allez, vous êtes en position. Allez, je le fais avec vous. On s'installe bien, confortablement. Attention de ne pas être trop bas. Si vous êtes ici,
Vous voyez, les genoux sont trop pliés, puis là, déjà, je ne tiens plus. Hein. Par contre, si vous êtes trop haute, vous allez voir que vous sentez rien au niveau des cuisses et que c'est trop facile. Trouvez la bonne mesure. Comme si on était assis sur une chaise invisible. Vous êtes prête? Allez, c'est parti. Donc, au début, je ne vous donne pas toutes les secondes, hein, ça ne sert à rien. On tient le coup, on tient le coup. On arrive à 10 secondes, donc c'est déjà pas mal. On tient, bien sûr. Essayez de ne pas être en apnée, soufflez. Respirez normalement. 20 secondes. Donc, si vous êtes remonté entre chaque, ben vous faites 22, 23. Hein. 30 secondes. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous avez déjà une bonne résistance au niveau des cuisses. Alors, voilà. Allez, on tient, on tient, on tient. On a 40 secondes. J'ai loupé un peu. Hein. 45. 50. On est déjà dans le palier au-dessus. Hein. 1 minute. On est déjà dans le palier qui est pas mal. Pas mal. Ne vous forcez pas. Remontez si ça ne va pas. On tient. De toute façon, j'arrêterai à partir de 2 minutes. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Pour l'instant, on continue, on continue. Si ça va, on est à 1:20. Génial. Voilà, encore un pont au-dessus. Continuez à vous entraîner. Comme ça, quand on va reprendre des activités physiques, 1:30. Vous aurez toujours votre capacité, ceux qui randonnent, ceux qui font du vélo, vous n'aurez pas perdu. Donc, c'est bien, continuez. 1:40. Allez, si c'est trop facile, descendez un petit peu, hein, attention à votre position. 1:50. Allez, on tient. 1:60. C'est-à-dire 2. Bravo, 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 bravo. Donc, dès le moment qu'on est passé à 2 minutes et au-delà de 2 minutes, c'est vraiment, vraiment continuer à entretenir votre capacité. Il n'y a pas de souci. Après, dès le moment qu'on a fait jusqu'à 1 minute, voilà, il va falloir renforcer un petit peu plus. Voilà, ça va? Parfait? Vous buvez un coup et puis on prend vos boîtes de conserve ou les haltères ou les bouteilles, ce que vous avez. Biceps, pardon, à terre.
promis. Les deux en même temps. Allez, reprends les squats et 8. On va rester en bas tout petit. Avec moi les mains ici. Si c'est trop lourd de bois, vous en prenez qu'un. Allez, je vous montre. On remonte. Allez, triceps. Vous mettez derrière la tête les coudes rapprochés. Si vous avez mal aux épaules, vous faites qu'un bras et on changera de toute façon dans ce cas. Ici, vous pliez et vous tendez. Le bras il reste fixe, c'est vraiment que l'avant-bras qui bouge. Parce que si vous faites ça, c'est plus le triceps à l'arrière du bras qui travaille. Allez. Gardez le ventre rentré. Déverrouillez les genoux, c'est parti. Pliez coudes. Gardez les coudes près des oreilles. Encore. Changez de bras, c'est le côté un bras. Hein. Super, relax. On a assez de une, ça va. Hop là. Attention, fléchis bien le genou, les deux genoux. On regarde bien le devant, ce soit en angle droit, descend, fort, descend. Sinon, vous reculez un peu la jambe arrière. Si vous voulez, vous pouvez vous tenir. Encore. Oups. Et encore un. Reviens ici, triceps. Gardez les coudes rapprochés. Ceux qui veulent aller plus vite, allez-y. De toute façon, ne pas bouger les bras. Que les avant-bras. Encore. Super. L'autre sens. C'est bien de changer de main pour la terre. Allez, descends. On est dos droit. Allez. Oups. À chaque fois, vous avez vu, on va travailler l'équilibre après. Et remonte. Un seul bras. On a le droit de tenir son bras ici et on tend l'avant-bras. N'oubliez pas l'autre option, on se penche un peu, on peut se tenir sur sa cuisse et on tend bien le bras vers l'arrière. Encore, encore. Encore. Quart de tour. Allez, c'est parti, trois petits en bas. Un, deux, trois, remonte. Un, deux, trois, remonte. Encore. Un, deux, trois, encore une fois. Super, nos bras. Vous êtes toujours là, ça va? Quart de tour. On espère, on s'installe bien. Il fait chaud, je trouve. Allez, descends. Vous aussi, vous avez chaud?
Bien. Allez, encore. Ah, n'oubliez pas les petits, autant pour moi. Je suis sûre que vous les avez fait chez vous. Allez, encore un. Encore les deux. Quatre fois. Trois. Quatre. Cinq. Un. Deux. Trois. Quatre squats et un, deux, trois, quatre les bras et un, deux, trois, fente de l'autre côté. Un seul bras et quatre, trois, deux. Fente de l'autre côté. Un. De toute façon, vos genoux sont bien placés. Trois. Quatre. Et fente. Et un. Et oui. Deux. Trois. L'autre bras. Et l'autre côté. Quatre. Les squats. Les fentes. Les squats. Dernière fente de côté. Cinq, six, sept derniers de l'autre côté. Et on relâche. Descendez un petit peu talon fesse. Allez, détendez un petit peu. Allez boire un coup. Alors, on en est où? Bien. Alors, bien, bien. Super. Alors, on va tester. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a oublié? Ah ben oui, forcément, l'équilibre. Alors, l'équilibre. Vous savez qu'on a besoin de cette fonction d'équilibration, ne serait-ce que pour éviter les chutes, encore une fois, se déplacer correctement et en tout cas... voilà, le mieux, c'est l'équilibre dynamique, c'est-à-dire quand on marche et tout. Mais les tests, c'est l'équilibre statique. C'est un des tests pour mesurer si j'ai un bon équilibre, si j'arrive à bien tenir sur un pied. Alors, dans un premier temps, encore une fois, ça va être le chrono. Je vais vous donner le top départ. L'objectif va être de tenir sur un pied. Alors, vous pouvez, pour vous rassurer, être près d'un mur, près d'un... un support, hein, près d'un bureau, une table, voilà. Et vous tenez le plus longtemps possible, je vous dirai stop. Un peu la même chose que tout à l'heure, je vais vous donner un petit peu les repères. Voilà. Donc, si je tiens en dessous de 10 secondes, voilà, c'est pas trop, trop top. Et si je tiens au-delà de 10 secondes, après, c'est pareil, si c'est 20 secondes, 30 secondes, ça veut dire qu'on a un bon équilibre et qu'il faut peut-être le travailler autrement. C'est-à-dire que le test, maintenant, ça ne sert à rien de rester une minute. On n'a aucun intérêt de rester une minute comme ça. Le but, ça sera plutôt de travailler dans les situations d'équilibre que je vais vous faire faire après. Bon, on est prêt? On va tester? Allez, vous vous mettez près d'un support. C'est bon? On lève un pied. Alors, je vous donne une consigne. Fixez un point. Tête droite, dos droit, ventre engagé, ventre rentré. C'est bon?
Top. Allez, on tient. Donc là, on est à 3 secondes. 5, ça va vite, hein, ça va vite tes secondes. Hein. 10 secondes. Vous voyez que c'est largement, largement faisable. Allez, on va aller jusqu'à 20 secondes. Top. Super. Alors, ça c'était facile. Pour ceux qui vraiment ont facile, 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 essayez de faire avec les yeux fermés. C'est un peu plus compliqué. On essaye l'autre. Bien sûr, il faut tester les deux jambes. On a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Vous êtes prêts? Top départ. Allez, je tiens, je tiens. On est à 4 secondes. Alors, on essaie d'aller jusqu'à 20 aussi, 10 secondes. Top. Super, 20 secondes. C'est bien. Voilà, tout le monde y arrive, tout le monde y est. Est-ce que vous voulez qu'on essaye les yeux fermés? Je regarde un petit peu vos commentaires. La chaise, lol, attention les cuisses, sur Marie. Mais oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Alors, Nicole, 45 secondes. Bien, 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 bien. Donc, vous pouvez réessayer les yeux fermés. Hein, sur... Alors, bien sûr, il faut que quelqu'un vous donne les secondes parce que si vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas regarder le chrono en même temps. Ou vous mettez le minuteur. Vous mettez le minuteur à 20 secondes et puis vous verrez bien. Voilà. Super. Marie-France, tu veux qu'on teste les yeux fermés? Allez, c'est parti. Ok, pour les yeux fermés, on y va. Allez, préparez-vous. Prêt? Top départ. Moi, je ne ferme pas les yeux, je regarde le chrono. Hein. Allez, allez, on est à 10 secondes. Top, 20 secondes. Alors, est-ce que c'est pareil? Peut-être pas, hein? Ou si vous tenez bien, ça, vous avez le corps qui oscille un peu plus, hein, les yeux fermés. C'est normal. Hein? Enfin, dans la vie de tous les jours, on n'a quand même pas les yeux fermés quand on veut garder son équilibre. Hein? Heureusement d'ailleurs. Mais au moins, ça complexifie un peu le travail. Ça demande une adaptation du corps et du système, justement, enfin des fonctions d'équilibration. Donc, c'est bien aussi de le faire un peu yeux fermés. Pas évident, Francine. Ouais, je vous l'avais dit. Hein. On essaye l'autre jambe. Allez, préparez-vous. C'est bon? Top! Allez, allez. On a 7 secondes. 10. 15. 20 secondes. Bien. Ben oui, c'est difficile. C'est château branlant, Monique. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est super. Alors, ben, on va faire nos travaux, nos exercices d'équilibre. Je dis qu'on faisait tout aujourd'hui. Hein. Alors, vous allez prendre, vous vous avez demandé de prendre des bouteilles ou des boîtes, une orange, un poussin, ce que vous avez. Et vous les posez au sol. À l'endroit que vous voulez, peu importe. Peu importe. Super. Donc maintenant qu'on est là, alors je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà, c'est bien. Vous allez prendre le coussin entre les mains. Puisqu'on a dit que c'était un total body, je continue à travailler un petit peu le haut du corps en même temps. Donc là, on va faire des pressions sur le coussin. On va travailler les pectoraux ici. Voilà. Tout à l'heure, avec le bâton, on a fait les dorsaux. Maintenant, on fait l'opposé avec les pectoraux. Donc, mes obstacles, ils sont pas loin. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais mettre la bouteille là et là. Donc, dans un premier temps, on va faire ces exercices de flexion. Si vous avez un ballon, vous pouvez prendre le ballon. Appuyez sur le ballon. Pourquoi pas? Allez, le matériel. Hein. Bien. Donc, je suis vers mon obstacle le plus petit, c'est-à-dire une boîte
Ou tout à l'heure, si vous aviez un élastique ou votre serviette, vous pouvez poser la serviette au sol. Donc, je vais appuyer et après, je vais essayer d'aller poser le pied ou en tout cas d'aller au-dessus de l'objet et de relever. Je le touche juste avec la pointe de mon pied. D'accord? Bien sûr, on changera de jambe. Hein? Vous voyez ma petite boîte de conserve, ma petite boîte de petits pois? Allez, on appuie. Et comme c'est facile, on y va. Relevez un peu les coudes. Laissez les épaules bas. Encore. Sinon, vous pouvez aller sur ce rythme-là. Hein. Souffle quand on appuie. Descendez-le un peu pour voir où vous allez mettre les pieds. Et c'est parti. On lève, on pose. Allez, équilibre. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ventre rentré, fixez un point loin devant vous. On n'est pas obligé de monter le genou trop. Et on reste en tien. Relâche. On reprend le coussin à plus. Je prends le ballon, moi, parce que comme ça, je vois l'écran. C'est comme si vous voyez, je veux voir travailler. Allez, petit. C'est pas semblant, on appuie. Reste appuyé. Reste appuyé. Relâche. On va sur l'autre pied. Allez. Le rythme que vous voulez. La hauteur que vous voulez. Et on tient. Ça va plus poser, hein? On relâche. Allez, on reprend. Et on monte. Si j'ai mal aux épaules, je reste devant la poitrine. On vient devant. Reste appuyé. On va faire les deux en même temps. Le pied sur l'objet. Je lève l'objet. Je lève le pied devant. J'appuie en levant. Et je relâche. On pose juste la pointe sur l'objet. Fixez un point devant. Regardez pas votre ballon. Reste en haut. Super. On passe tout de suite sur l'autre. Allez, c'est parti. Au droit, ventre rentré. Ouvert. De la jambe. On relâche. On revient au-dessus de son objet. On va tourner avec le ballon et en même temps, on va dessiner un cercle autour de la boîte, autour du plus petit objet qu'on a. C'est bon? Allez. Ah, c'est plus dur. Si c'est trop dur, lâchez les bras. L'autre sens. Si c'est trop dur, on repose le pied entre chaque cadre. On pose, on reprend, on pose. Voilà. La droite. On relâche et on reprend celui-là.
Attention, je pense pas. Et on y va sur l'autre jambe. On est prêt? Allez, tour. On n'est pas obligé de monter trop. Et on ne triche pas, on dessine bien un cercle. Voilà. Pas que avec la pointe de pied. Hein. Et dans l'autre sens. Reposez entre chaque si ça ne va pas. Ça viendra. On reprend celui-ci. Et on avance en même temps. On va aller près de l'objet de tuyau. Moi, c'est la bouteille. On reste au-dessus de l'objet et on tourne. Sans le ballon pour l'instant. Et dans l'autre sens. L'autre jambe. On s'en fiche pas la bouteille, sinon ça va renverser. Dans l'autre sens. On reprend la terre sous la cuisse. On recule et on va près de l'objet le plus petit. On reprend le cercle avec les bras. Et tout de suite, on passe en dessous. Et oui, on repose si ça va. On alterne, on avance près de la bouteille. Et on tourne avec l'autre jambe autour de la bouteille. Le centre. Sous la jambe. On reste près de la bouteille. L'autre jambe tourne. Il faut pas oublier. Hein. Et dans l'autre sens. La jambe. On alterne en reculant. Il nous reste une jambe autour de la petite boîte. Allez, on y va autour.
nous reste une fonction, c'est-à-dire le cardio-respiratoire, et puis de nouveau la souplesse pour étirer, surtout, je vous avais dit, le tronc et les membres inférieurs, l'arrière des cuisses. Donc, on va terminer. Ballon en mousse, Jean-Marie. Parfait, parfait, parfait. Alors, on termine, enfin presque terminé avec le cardio. Donc, vous savez, je vous avais montré la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, là, l'échelle de Borg. Alors, ça y reflète un peu peut-être, je ne sais pas, vous me direz. Je l'ai mis de toute façon sur, elle est sur le site Sport Santé Live, elle est dans les photos, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous voyez le monsieur qui tire la langue et le monsieur qui est tout content. Vous voyez qu'on pense au monsieur quand même. Alors, là, on va faire, on va essayer 2 minutes. 2 minutes de cardio sans s'arrêter. Ça veut dire que vous devez gérer votre effort. Ça veut dire que vous devez être essoufflé. Vous devez être dans le jaune, mais en aucun cas dans le rouge. C'est-à-dire le rouge, je tire la langue, je ne peux plus parler. Donc, pour si vous êtes seul à la maison, essayez de me parler à travers l'écran interposé. Vous êtes en colère après moi, vous râlez, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, vous essayez de parler pour voir si vous y arrivez encore ou si ça ne va plus du tout. Là, ça veut dire que vous avez été trop haut. Il faut vraiment ralentir. Alors, ça ne veut pas dire s'arrêter. Ça veut dire lever les genoux moins haut, ralentir le rythme. Voilà, faire un pas sur deux, pourquoi pas, mais ne pas s'arrêter. D'accord? Ok. Donc, si par contre, on est vraiment toujours avec le grand sourire dans le verre, on ne souffle pas du tout, on n'est pas du tout essoufflé, parce que moi-même essoufflé, je peux avoir le sourire. Donc, si on n'est pas du tout essoufflé, c'est qu'on ne travaille pas sa fonction cardio-respiratoire. Il faut intensifier un petit peu. Allez, on y va. Alors, j'ai eu le coup, c'est bon? Parfait. Allez. On met un peu plus fort parce que ça motive. Alors, on va enlever les obstacles là quand même, enlever les obstacles du sol. Hein. Alors, le premier monte au coin de pied, c'est parti. Donc, vous avez le choix. Dès que vous êtes trop essoufflé, vous pouvez faire celui-là. Pas s'arrêter. Et vous reprenez en cours de route. OK? Allez, on lève les genoux. Donc là, je mets une impulsion. Je veux que ça monte. On n'est pas obligé. Il y a ça aussi. Je trouve que ça va bien. Attention aux impacts. On serre le ventre. Hein? Prenez le rythme qu'il vous faut. Hein? Trottine sur place. Vous voyez que les pieds ne vont pas trop haut. Ça peut être vraiment laisser la pointe au sol, juste monter les talons. Ça suffit. Après, si ça va, on monte plus haut. Pour ceux que ça va, monter les talons fesses. Hein. Régulez, régulez. Ok, qui? Encore une fois, lâchez l'impulsion. On n'est pas obligé. Ceux qui veulent, sentons d'arrêt entre les deux. Allez, chacun son rythme encore. Je peux ralentir, laisse-moi accélérer. Je gère. Super. Trottine sur place. Appelez-vous les pointes de pied si ça ne va pas. On a eu 50. C'est pas mal. Allez. Petite flexion. Petite. Vous voyez, je monte sur pointe de pied. Voilà. Sinon, serre ici. Si je veux. Toujours pareil, hein. Alternez. Ça, ça fait monter, mais on va plus vite. Hein. Trottine.
qui ne veulent pas sauter, quand vous mettez les bras, ça active encore plus. Continue sur place. Et marche, 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 marche. Récupère, récupère. Ok. Alors, vous avez annoncé 2 minutes. Ah oui, il ne faut jamais écouter les profs en fait. On a fait 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est pas mal. C'est franchement, c'est pas mal. Comment vous êtes là maintenant? Est-ce que vous êtes encore dans le vert? Vous n'avez peut-être pas donné assez. Après, les gens qui ont l'habitude de faire de l'endurance, c'est vrai que 3 minutes, ce n'est pas suffisant. Il va falloir soit augmenter la durée, soit augmenter l'intensité de travail. On évite de faire les deux. Et en tous les cas, en ce moment, en période de confinement, attention, attention à ne pas être dans le rouge. Ce n'est pas bon du tout. Le sport, en plus, ne faites pas avec un masque parce que c'est vraiment au niveau de la respiration, de l'oxygénation. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc, faites attention et n'allez pas chercher le rouge. Surtout en ce moment, en période d'épidémie, il faut surtout pas être dans le rouge. Donc, le cardio monte, Jean-Marie, c'est bien. Après, est-ce que vous êtes encore dans le orange? Faut pas que vous soyez trop essoufflé. Eh ben voilà, dans le jaune. Voilà. Jaune, ben voilà, vous savez que la prochaine fois, vous pouvez aller un petit peu plus vite ou mettre les bras ou alors faire plus longtemps, mais pareil. Voilà. Bien, ben ça va, on s'étire. Allez. Donc là, c'est tous des petits tests que vous pouvez reprendre après chez vous, hein, les autres semaines. Pas à chaque fois, mais de temps en temps. Bien, pas assez pour moi, Marie-France. Il fallait aller donc sauter plus haut, aller plus vite ou mettre les bras. On joue soit sur la longueur de temps de travail, soit sur l'intensité et avec et avec les bras. Hein, voilà. Jean-Marie, pas trop essoufflé, mais vous disiez que le cœur, ça montait, ça tapait. Ben, voilà, peut-être que vous prenez des médicaments. Voilà, il faut faire attention aussi à ça. Quand on prend des médicaments, voilà, hein, c'est pas toujours. Fiez-vous à votre essoufflement. À ne pas être dans le rouge, arriver à parler. Jean-Marie en forme. Ben voilà, c'est parfait. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, allez. Et là, on étire. Alors, on va faire un test. On va faire un test déjà de souplesse du tronc. Hein, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé. Alors, le but va être... Attention, quand vous allez vous mettre en position, regardez-moi, vous ferez après. Quand vous allez vous mettre en position, il ne faut pas descendre au sol. J'ai entendu, on a déjà dû vous le dire. Donc, prenez l'habitude de déverrouiller les genoux. Et je vais venir tendre les jambes une fois que je serai en bas seulement. Et là, je pose les mains où je peux. Ça peut être au sol. Attention, quand on remonte, déroulez le dos, genoux fléchis. Donc, ça peut être les mains à plat, les bouts des doigts. On va voir. Je vous donnerai un petit peu la cote quand vous aurez fini. Faites attention à ce que, voilà, d'aller le plus bas possible, que ça tire derrière les cuisses, mais on ne force pas. On ne va pas chercher une douleur. D'accord? Donc, on essaye. Allez, pliez les genoux, arrondissez le dos, on vient poser les mains le plus loin possible, le plus bas possible, et on tient un petit peu. Soufflez tout le temps que vous tenez. Soufflez, soufflez, soufflez. On essaye d'aller le plus loin possible. Et on fléchit les genoux, on remonte. On remonte, on remonte. Voilà. Gabi. Oui, non, mon débardeur, il est à l'envers. Oui, je sais, c'est fait exprès. C'est parce que, comme ça, on voit bien le logo, parce que derrière, il est tout petit. Ah. Et oui, on a fait ça avec la collègue, avec Naomi aussi. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il est à l'envers. Bien. Alors, si vous avez les doigts qui touchent le sol, donc là, je suis en train de regarder pour les hommes, parce que les hommes, ce n'est pas la même chose. Voilà. Si les paumes des mains touchent le sol à plat pour les femmes, vous avez les paumes des mains qui touchent à plat, ça, c'est l'idéal. Hein, c'est vraiment, vous avez vraiment une souplesse du tronc et l'arrière des cuisses. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, le minimum
le minimum, c'est le bas des tibias. Si vous avez les mains qui arrivent sur les cuisses ou sur les genoux, c'est qu'il y a vraiment, vraiment une raideur importante et que ça peut aussi générer des maux de dos. C'est vrai que quand on a mal au dos, on est raide au niveau des lombaires. Et puis, peut-être aussi, c'est pour ça que les hommes n'ont pas le même barème, parce qu'ils ont une masse musculaire plus importante et les muscles qui sont derrière les cuisses, les ischios, ils sont très rétractés. Et donc, du coup, c'est vrai que ça les gêne un peu plus pour la souplesse pour descendre au sol. Donc, ils n'ont pas le même barème. Hein. Les hommes, voilà. Les hommes, c'est le bout des doigts atteint le milieu des tibias, hein, le minimum. Voilà. Et nous, les femmes, c'est le bas des tibias. Voilà. On est un peu plus tolérant pour les hommes. Hein. On n'en a déjà pas beaucoup. Alors, il faut les chouchouter. Bien. On s'étire quand même un petit peu. Les doigts, super, main à plat. Mais vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Allez. Et parfait, pardon. Allez, on étire. Gardez la serviette ou l'élastique près de vous parce que pour l'étirement, vous allez voir que ça aide. Allez, j'inspire, je me grandis et je souffle, je relâche. Encore, inspire, rentre le ventre, souffle. Encore une fois. Et on reste. Expire tranquillement. Relâche. On va passer un bras devant et on le pousse. Baissez l'épaule, hein, voyez pas comme ça, baissez l'épaule. Je pousse sur le bras. On chante. Relâche, inspire. On plie les genoux, on enroule le dos. Donc là, c'est dos rond. On enroule, on relâche tout. On relâche, on relâche. Et on remonte au déroulé. Encore une fois, inspire. On plie les genoux et on enroule, on enroule, on enroule. On enroule sa colonne vertébrale l'une après l'autre. On descend, descend, descend et on relâche. Super. Vous passez sur le tapis ou assis au sol. Et là, on va faire des étirements. Puisque je vous disais que les ischios derrière sont très rétractés, on aide avec une serviette ou avec un élastique. On reste assis pour l'instant. On peut tirer l'élastique plus court ou la serviette plus vers vous. Dos droit. Et on tend la jambe. Elle n'est pas obligée de monter haut. Il faut que vous ayez la pointe de pied vers vous. Et vous sentiez que ça tire derrière le mollet, vers l'arrière de la cuisse. Soufflez tout le temps que vous étirez. Et on relâche. On change. Avec une serviette ou un élastique, ça marche très bien. Pour ceux qui ont des élastiques à coudre, des élastiques à culotte, c'est vrai qu'on n'en trouve plus beaucoup en ce moment. Vous pouvez prendre cet élastique-là pour vous aider à tirer. Pointe de pied vers vous. Allez, restez dos droit. N'allez pas là, parce que là, du coup, ça ne tire plus. Bonne posture, dos droit. Tant pis si ça ne lève pas haut. Pointe de pied vers toi. Super. On plie les deux jambes, on met en dessous des deux pieds. Allez, on enroule le dos, on vient s'allonger au sol. Et on va monter les deux jambes vers le plafond. J'ai mon petit bras. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Donc, on tend les deux jambes et on pose les coudes au sol. C'est la même chose. Vous devez sentir que ça tire derrière les cuisses. Emmenez les pointes de pied vers le haut. Pointes de pied vers vous. Ça, c'est pour aider les mollets en plus et relancer un petit peu la circulation. On lance la pompe hein, au niveau des mollets. Reste pied flex. Respire normalement. Relâche, on enlève une jambe. Allez. Amène bien la pointe de pied vers toi. C'est pareil, hein, si vous levez la fesse, ça tire plus. Si vous avez le genou fléchi, ça tire plus. Jambe tendue. On change.
passer un petit peu le dos de droite à gauche. On étire son quadriceps. Ma souris sur le côté, je tire. Si je suis pas bien installée comme ça, tu me couches sur le côté. Hein. Cherchez ce que ça tire bien devant. Et on change. Voilà, voilà. Super. Alors, on a le temps de discuter un petit peu. Alors, comment ça va? Ah là là. Alors, vous avez vu les derniers exercices là, avec les élastiques? Ça va justement assouplir là derrière, hein, les ischios. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est beaucoup plus facile avec l'élastique ou la serviette. Voilà. Bon, voilà, j'ai essayé de vous proposer une séance avec tout. Comme je l'ai dit au début, reprenez, si vous en avez envie, un test après avoir refait soit cette séance-là en complet, soit des petits dans la semaine. Par exemple, j'ai une faiblesse au niveau de ma souplesse. Et bien, pendant 2 semaines, 3 semaines, je vais reprendre juste les exercices de souplesse et je vais les refaire et je referai mon test et je verrai si j'ai une progression. Voilà. C'est à vous de choisir. En plus, avec mes collègues, vous avez vu qu'il y a du pilates, il y a du stretching, il y a la barre au sol aussi. C'est très, très intéressant et très bénéfique pour les assouplissements. Donc, n'hésitez pas à faire aussi ces exercices-là. Et puis, pour l'équilibre et le cardio et inversement. Cardio souvent avec Lionel ou Mel. Voilà. Avec l'équipe, je pense que vous avez un panel et vous pouvez refaire à chaque fois. J'ai élastique de gym, 20 kilos, Jean-Marie. Parfait, parfait. Mais vous êtes sportif, Jean-Marie. Un grand, grand sportif. C'est bien, c'est bien. Voilà. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Et puis, bonne semaine. Profitez bien de tous les cours qui sont à votre disposition. Faites attention à vous, restez confinés et je vous dis à bientôt. Au revoir.